Salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk46 pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, Distant Worlds Universe, un jeu qui est sorti il y a bientôt 5 ans, avec 3 extensions, dont la dernière, Universe, qui regroupe en fait tout ce qui est sorti à ce jour, et ça fait de cela à peu près une petite année. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup les 4X et puis le monde spatial, donc ça fait un petit trait d'union avec Elite Dangerous, on va dire, et... Bah, je voulais vous proposer un petit let's play, une série un peu tuto aussi, essayer de vous montrer ce que je connais sur le jeu. J'ai quoi, 80 heures à peu près dessus. Il peut paraître extrêmement compliqué ou plutôt complexe. C'est vrai, il y a beaucoup d'informations. Mais le gros avantage du surf, c'est qu'on peut le paramétrer vraiment comme on veut. Et puis on peut vraiment s'intéresser à ce qui nous plaît le plus, si c'est le combat, si c'est l'aspect économique du jeu, l'aspect diplomatique également peut en intéresser certains. Bref, moi j'aime plutôt gérer ma flotte et puis mon empire. Il faut voir un petit peu ce jeu comme si vous étiez le président ou l'empereur de plusieurs systèmes et puis vous donner les grandes lignes. Et tout ce petit monde se développe en fonction de vos impulsions, c'est assez subtil, très profond. Bref, j'aime beaucoup. Alors on va commencer tout de suite. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si des gens connaissent déjà un peu le jeu, peut-être que ce premier épisode sera pas très utile. Et puis on verra pour la suite. Et puis si vous connaissez pas trop ou pas du tout, bah, on va regarder ça ensemble maintenant. Alors, on peut commencer suivant des débuts scénarisés. Il y a un petit background qui n'est pas très très fourni. On reviendra pas trop là-dessus. Ou simplement commencer en partie personnalisée. Il y a aussi le moyen de commencer comme une faction pirate. Alors, je ne l'ai jamais fait. Ça peut paraître assez compliqué. Je crois qu'on va se contenter de commencer en custom. Alors là, on peut commencer par choisir la forme de sa galaxie. Je vous avoue, je prends toujours un petit peu spirale comme la Voie lactée. Ensuite, 700 étoiles, on peut monter jusqu'à 1400, mais 700 c'est amplement suffisant. Ça c'est la taille des secteurs de la galaxie, 10 par 10, standard pour le nombre d'étoiles qu'on a ici. L'expansion, c'est l'état de l'univers au début de la partie. Je vais le mettre en pré-warp, surtout pour les IA, parce que je suis pas excellent non plus dans le jeu, et vous verrez que c'est pas facile du tout. Je mets d'ailleurs l'option que la difficulté augmente en fin de partie pour un tout petit peu plus de challenge. J'ai envie de vous montrer une partie un petit peu, on va dire, accélérée. Parce que ça peut être très long quand même. Les coups, on cherche normaux, on va pas mettre de créatures de l'espace, très peu de pirates qui sont faibles. Et puis voilà, on pourrait paramétrer encore pas mal d'autres choses, je vais pas m'attarder, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Colonies, la prévalence des colonies, c'est-à-dire le nombre de planètes colonisables, on va mettre que c'est une occurrence normale. La vie alien indépendante, parce qu'en dehors des empires, il peut y avoir des planètes qui sont habitées par une seule race d'aliens. Et puis là, on pourra les envahir, les assimiler, les réduire en esclavage, les exterminer, bref, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ça c'est l'influence d'une colonie sur la map, on va la mettre à 100%, c'est ce qui est recommandé pour une map de cette taille là. Ensuite la race, moi je prends les humains, il y en a beaucoup, hein. Vous voyez, on peut se mettre random aussi. Chacune de ces races ont des particularités, des avantages, des caractères différents. Les humains sont assez dans la moyenne. Là, il y a les conditions de victoire à atteindre. Il faut contrôler un tiers de toutes les colonies continentales dans la galaxie, faire des packs de défense mutuelle avec au moins 15% de tous les empires dans la galaxie. Bref, on y reviendra au fur et à mesure dans la partie. On en aura amplement le temps. Et puis là, 2-3, ils n'ont pas de technologie spéciale. Et puis, comme type de gouvernement, il y a le nationalisme corporatiste qui offre plus ou moins des avantages. Bref, je ne m'étends pas plus. Voilà, j'avais déjà préparé mes couleurs, le nom de mon empire via l'Acta Invicta. Et puis, on va commencer dans les parties extérieures de la galaxie. On pourrait se mettre au centre même. On va se mettre là à l'extérieur. C'est un peu plus sympathique. Notre système d'origine, on pourrait se le mettre quoi? Allez, agréable. On fait les noobies. Allez, agréable. Donc nous, on sera en normal. Donc on aura déjà la technologie du warp pour jumper de système en système. Taux de corruption normal, on va pas non plus faire trop les nullos. Type de gouvernement, bah, la République.
qui offre des avantages en recherche. La corruption, qui diminue la corruption, c'est le nombre d'argent qu'on perd en fonction de la distance qu'on a avec la capitale. Bref. Ouais. Les autres gouvernements se valent, ça dépend comment on joue, mais pour quelque chose d'équilibré plutôt au début, c'est pas mal, la République. 9 empires dans toute la galaxie. Et puis les conditions de victoire qu'on avait rapidement survolées tout à l'heure. Pas mal de choses à paramétrer, mais pour commencer rapidement, si on est un petit peu nul, même si je suis pas complètement débutant, enfin c'est dans l'idée de vous montrer une partie qui se développe un peu, et puis pas que j'ai des surprises parce que l'IA n'est pas si conne que ça. Voilà, bienvenue dans notre empire. La voilà, t'es invaincu, c'est ce qu'on va voir. On récapitule les conditions de victoire, ce qu'on devrait faire, commencer à construire des spatioports. Alors les spatioports c'est extrêmement important, on va voir ça tout de suite, je mets vite en pause. Donc notre système d'origine qui a été nommé par l'IA, on va voir comment il s'appelle, Sacreia. Ouais, bon, là, on peut changer. Ah, on est dans une zone de la galaxie qui est franchement assez pauvre en étoiles, hein. Il faudra voir vers le nord, là il y a tout un groupe, un cluster, et puis aussi vers l'est. Mais plutôt isolé, a priori. Quelques étoiles sous notre influence qui sont pour l'instant inconnues. Et puis pour les découvrir, justement, eh ben, on a nos vaisseaux d'exploration. Au début, là, j'en ai trois. Ils sont en automatique, comme vous voyez, là, dans le... Je peux agrandir, non, ça, je rétrécis, voilà. Dans le petit HUD, là en bas, en automatique. Donc, elle va aller explorer ce qu'il y a à proximité. De même que les autres, là j'ai des vaisseaux de construction qui sont également en automatique et qui vont aller exploiter les planètes qui se trouvent dans le système. Alors celle-ci l'est déjà, il y a une station de minage qui est construite autour de cette planète continentale qui contient du chromium, ressource stratégique qui est assez importante en début de partie, ça tombe bien. Alors pour les autres planètes exploitables, bah, mon système il est censé être agréable, bah, j'ai pas été vraiment gâté, hein. Il y a rien du tout. Il y a juste une planète continentale, l'étoile. Et puis, enfin, ma capitale, bon, soit. Va falloir se bouger, hein. Va falloir se bouger. Alors, écoutez. Avant de commencer, on passe vite en revue ce qu'on a. Ça, c'est le panneau de contrôle des colonies. J'ai Sacreia 1 qui a une qualité de 92%, ce qui est pas mal. Une population de 3 724 millions, 3,7 milliards. Ils sont moyen contents à 9. Donc, notre manière de voir nos colonies. C'est en cliquant ici. C'est important qu'il y ait du bonheur au début. Donc, je double-clique sur le panneau là. Et puis, il faudrait que j'arrive à 15 ou 16 de bonheur pour que les gens soient contents et y croissent plus vite. C'est important. Donc, pour ce faire, on descend les taxes qui sont à 28. Jusqu'à 21, 7, ça devrait suffire. Voilà. Au passage. Ici, tout était automatisé et puis pour les taxes, moi j'ai envie de garder le contrôle. Donc je leur dis maintenant d'arrêter l'automatisation. J'aime bien personnaliser ma partie au fur et à mesure. Comme ça, c'est ce que j'utilise pas finalement, ça reste en automatique et c'est pas mal comme ça. Donc vous voyez, hop, on repasse dans le jeu et puis là maintenant, les citoyens sont contents. Donc première chose, j'ai pas grand-chose d'autre, pas d'autres colonies pour l'instant, ça va changer. Ensuite, ça c'est le panneau d'expansion important. Je peux classer par ressources de luxe ou par ressources stratégiques. Pour le début, il me faut du stratégique. Pour savoir ce qui est le plus important, moi je regarde la demande qui n'est pas satisfaite. Et là, il me faut de l'argon, qui est un gaz, de l'acculon, qui est un métal. Le chromium, bah, on a une source, on l'a vu. Avec 2000 tonnes sulfureux en stock. Donc, mais il m'en faudra plus. Et ensuite, de l'iridium, du gold, ouais, Tiderios, ça c'est du gaz, tout ce qu'il y a comme ça, ces icônes un peu rondes, c'est du gaz. Et alors, pour savoir où tout ça se trouve, bah, on va lancer le jeu. Et vous allez voir les vaisseaux qui vont jumper dans les systèmes alentours pour explorer. Et je pourrais comme ça savoir quel type de ressources il y a à dispo, parce que là pour l'instant, c'est inconnu. Hop, on les voit sauter là, les petites icônes. J'accélère. On peut aller à 4 fois la vitesse. Ouais, alors, début assez dur, hein, je dois dire. Donc là, il y a. Ouais, du lithium, du plomb, du gold, ça c'est bien.
Ouais, de l'acier et de l'iridium. Bon, cool. Alors, ça va me permettre de vous montrer là. Ah, je pourrais construire une station de recherche ici. Est-ce que je peux? Oui, ça va me donner un bonus si j'en construis une. Alors, ça, c'est des ruines. Je peux les investiguer, enfin, les faire de la recherche. Et j'ai trouvé 5293 crédits. Oui, il faut que je baisse un petit peu le son, je crois, du jeu là. Quand ça pop. Ici. Donc, je peux. Je vais les. Voilà, j'ai trouvé un vaisseau. Cool. Voilà, vous voyez, je vais peut-être aller moins vite parce qu'il y a trop d'événements qui pop et puis on n'arrive plus à suivre. Donc, découverte d'un vaisseau. Ah, qui a pas d'hyperdrive. Il est où ce con? Ah, je l'ai trouvé dans un système qui appartient à une nouvelle. Voilà, scellée. La corporation Old Moo. Bon, bah très bien. Moi, je vais lui dire de se retirer, c'est-à-dire qu'il soit démonté dans le shipyard, c'est-à-dire le spatioport le plus proche. Alors, vu qu'il n'a pas d'hyperdrive, il va mettre à peu près 1000 ans pour venir, mais c'est pas grave. Donc, où est-ce qu'on en était? Voilà, je trouve encore des ruines. Ça, c'est de l'histoire galactique. Bon, écoutez, on va pas aller très loin avec l'histoire galactique. Ce d'autant plus que le background a pour moi assez peu d'importance actuellement dans la découverte du jeu. Alors, ça, c'est un champ d'astéroïdes qu'on a découvert. Pas mal. Ici. Ah, intéressant. Silicone. Ça, c'est le Necrostone. Ok. Du gold. Alors, vous voyez que il y a des petits vaisseaux qui ne m'appartiennent pas, qui sont en fait des. Eh ben, j'arrête pas de trouver des trucs. Ça, c'est une base abandonnée. Donc, ça me permet. Qui était en fait un piège. Excellent. Donc, ça, c'est des vaisseaux de minage de l'économie privée qui vont en fait être construits par mon spatioport pour aller récolter des ressources. Moi, mon job, ça sera de construire des stations de minage pour faciliter la récolte et augmenter les profits. Voilà, j'ai découvert la faction des anciens gardiens, qui est une ancienne race mécanoïde, qui est plutôt neutre et qui vaut mieux avoir de son côté parce que très puissant. Donc, je disais que là, en plus, comme ressource, il y a de l'hydrogène. Important. Donc, je vais sélectionner un de mes vaisseaux de construction ici en bas. Actuellement, il est en train de construire une station de minage dans une ceinture d'astéroïdes. Et je vais lui dire de se mettre pour prochaine mission. Pardon, voilà. D'aller construire ici une station de minage de gaz. Voilà. Donc là, maintenant, il a une mission qui est en file d'attente pour aller construire dans ce système une nouvelle station de minage. Ce qui est intéressant, c'est que cette faction apparaît genre juste dans ma sphère d'influence. Ça fait un peu chier. Ça fait un tout petit peu chier. Bon, comme je suis en avance sur eux, bah voilà, ça sera peut-être mes souffres-douleurs. Bon, il faut éviter d'être trop import parce que la réputation après au niveau diplomatique, ça pèse lourd. Les gens, ils veulent plus vous causer. Ils n'ont pas confiance. Ça peut se comprendre. Donc maintenant, je ralentis de nouveau un petit peu parce que j'étais, voilà, vitesse normale. On va voir si ça a changé quelque chose au niveau de nos approvisionnements pour l'instant dans les demandes. Ouais, bon, j'ai trois sources de gold maintenant, donc ça c'est bien. Par contre, j'ai toujours zéro source de tiderius, acculon et argon, donc il faut que j'en trouve. Non, 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 là il n'y a rien. Ça fait quand même chier là, parce que j'avais déjà pas beaucoup d'étoiles à proximité. Falloir que j'aille loin. Et puis que je colonise vite. D'ailleurs, ah ouais, il y a une planète que je peux coloniser. Mais qui est à l'intérieur de ma sphère d'influence. On va peut-être se la garder. En attendant, ce que je vais faire, je vais essayer de construire via mon spatioport déjà un vaisseau de colonisation. Voilà, il faut que je zoome.
Je sais pas ce que vous en pensez des graphismes, hein, mais bon, c'est très minimaliste, pardon, mais pour le type de jeu, moi, ça me convient nickel. Alors, le spatioport, là, est-ce que je peux construire? Escorte, tac, tac, tac. Ah non, je peux pas encore. D'ailleurs, tiens, j'avais oublié de passer en revue. Ça, c'est la recherche. Il y a une recherche pour les armes, énergie et construction, et high-tech. Ce qui m'intéresse là, c'est l'high-tech pour aller rechercher la colonisation. Donc, pour les planètes continentales, les planètes marécageuses, pour les océaniques, il me faut au préalable les transports améliorés. Voilà, vous voyez, ça se met à chaque fois dans la file d'attente 2, 3, 4, 5. Pour les planètes désertiques, voilà, il me fallait le stockage avancé. Et puis, pour les planètes gelées ou de glace, le système de équipage avancé, la médecine pour les volcaniques. Voilà. Tout ça est automatisé sinon. Et puis, vous pouvez intervenir et puis dire ce que vous voulez, par exemple, de prioritaire. Et puis, annuler, par exemple, là, je peux annuler ça. Comme ça passe directement à colonisation continentale. Pour le reste, pour l'instant, on va laisser la recherche se développer toute seule. Il y avait encore, voilà, les comparaisons d'empire. Vous voyez, je me suis mis un avantage en début de partie, qui est quand même un niveau technologique supérieur. Et puis l'empire que je viens de découvrir, qui est censé être quand même un niveau en dessous, est déjà quasiment au niveau des conditions de victoire, pareil au mien. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, j'ai mal compris dans les paramètres, mais je trouve que c'est quand même difficile au niveau de l'équilibrage. Ça, c'est toutes les politiques de l'empire, c'est-à-dire l'automatisation du jeu. On va y passer rapidement. Les traités diplomatiques, j'ai demandé à l'IA de me suggérer des traités. Donc tout le reste, elle gère toute seule, et puis dès qu'il y a un traité possible, elle me le propose. Pareil pour la guerre et les sanctions commerciales. J'ai laissé les dons gérés automatiquement par l'IA. Ça, c'est en fonction de ma réputation et puis de comment je m'entends avec les autres. Les missions d'espionnage, par exemple, j'ai laissé tout automatique. Et puis vous avez vu que je suis intervenu, par exemple, sur les taxes. Ça, c'est moi qui veux gérer actuellement. Et puis, une autre chose que je veux gérer aussi, c'est mes vaisseaux. Donc, là, vous voyez tous les types de vaisseaux et bases possibles. Alors, les vaisseaux militaires, pour l'instant, j'ai juste la frégate qui était dans le système de Lutmu qui va être retirée. Donc, celle que j'ai découvert avec mes vaisseaux d'exploration. Donc, je dois en construire. Et là, on me propose déjà de construire une escorte et un destroyer. Et puis, 5 vaisseaux d'exploration. Je crois que c'est important d'en avoir beaucoup au début, surtout que je suis très très isolé. Et puis, il faut que je sache où expandre mon empire. Donc, ça va me coûter 13 400 crédits. Ce qui me permet de vous montrer en haut à droite que mon cash actuellement est à 80 000. Et je gagne en bonus 83 000 crédits et en cash flow moins 519. Alors, pour tout vous dire, l'économie, c'est pas tout à fait facile à appréhender. C'est quelque chose de très dynamique qui est représenté en fait ici. Vous voyez, j'ai l'économie d'État, c'est-à-dire ce que je gère moi, et puis l'économie privée, ce qui est géré par l'IA. Et c'est une interaction assez subtile en fonction de l'offre et de la demande, de ce que je construis et de comment on imprime un certain dynamisme à l'économie, notamment à travers les traités commerciaux avec les autres empires. C'est assez vague, c'est fait exprès parce que c'est juste un ressenti que j'ai. Et c'est vrai que quand on construit beaucoup de bases et de vaisseaux, l'infrastructure coûte très cher et tout de suite au niveau de notre cash flow, ça descend. Par contre, si on commence à développer des stations de minage avec notamment des ressources de luxe qui sont bien interconnectées avec notre empire, avec suffisamment de ressources stratégiques pour construire tout ce qu'il faut pour que l'économie fonctionne, et ben là on commence à gagner beaucoup d'argent. Vous verrez. S'il y a des gens qui auront compris plus avant les subtilités de l'économie, bah, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Donc, on va relancer le jeu actuellement. Donc, bon, l'écran diplomatique. Les anciens gardiens, vous voyez que là, eux, ils sont très très avancés. Ils sont que 10 milliards, mais ils ont une puissance militaire assez impressionnante à 1760, comparée à la mienne qui est à 242, 3 milliards d'habitants. Là, ils ont 2,6 milliards d'habitants. Les Olutmous, c'est une race reptilienne qui sont assez agressifs, plutôt précautionneux, plutôt inamicaux, plutôt intelligents et pas très fiables. D'accord. On est actuellement sans relation. On va rester comme ça parce que j'aimerais bien leur péter la gueule à terme. Je les aime déjà pas.
Mais bon, ça, ça reste à démontrer. Voilà, ça, je vous ai déjà parlé du sommaire de l'Empire, de la recherche. Ça, c'est le design de vaisseau. Alors, peut-être que si on avance dans le jeu, on pourra créer nos propres designs. C'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire là-dedans. Pour ceux qui sont passionnés du micromanagement, ils vont avoir la tricouille. Ça, c'est l'option de construction, on a vu avant. Soit on se laisse suggérer par l'IA, soit on construit ce qu'on veut. Actuellement, je devrais avoir construit mes vaisseaux militaires. Voilà, bon, ils sont pas construits, ils sont orangés actuellement, mais ça va venir. Donc, je vais les regrouper les deux comme ça, puis créer le début de ma première flotte. Et comme ça, je vois dans l'onglet de gestion des flottes que j'ai deux vaisseaux de puissance 0 parce qu'ils sont même pas encore construits. On peut leur assigner le système de leur base, en fait. Et puis les missions qu'ils ont. On va y revenir dès qu'il y aura une flotte digne de ce nom. Alors, ce qui me permet de constater que j'ai pas exploré beaucoup pour l'instant. On va aller un poil plus vite. Tac, x4. Ils sont où mes vaisseaux d'exploration? Alors, si je regarde là, là c'est les vaisseaux qui font rien, qui n'ont pas de mission. Heureusement, il n'y a personne. Vaisseau d'explo. Voilà, il est en train de se refuel à Olutmu, lui. C'est-à-dire là, on peut cliquer là et puis zoomer dessus. Très très bien. Mon vaisseau d'exploration, j'en ai d'autres normalement. Il explore là-bas, voilà. Un nuage, une nébuleuse. Putain, mais il faut qu'ils aillent par là. Je peux aussi leur dire où aller d'ailleurs. Hein. Je peux dire, toi, tu vas là maintenant, tu explores ces systèmes. Et il y va. Ça, c'est qui? Ça, c'est un vaisseau d'exploration qui est en train d'être construit. Voyez, 22 à construire encore. Là, c'est ma première flotte avec mon premier escorte Trident. Donc, on peut voir ici de quoi il est équipé, de Blaster Maxos. Ça, encore une fois, vous pouvez faire le design pour tous les vaisseaux. C'est super bien foutu, mais on va pas perdre trop de temps maintenant. Vous pouvez changer le nom, vous pouvez faire énormément de choses. Vous voyez ce qu'il fait comme dégâts. D'ailleurs, ça va se répercuter avant. On a maintenant une puissance de 47. C'est ridicule. Alors, les anciens gardiens. Ah ouais, ils veulent nous mettre en garde. Voilà, les sombres vont revenir d'un lointain passé, nous péter la gueule, etc., etc. C'est toujours la même chose. Alors, où sont mes putains de vaisseaux d'explos? Ça, c'est quoi? Ah, on pourrait faire une nouvelle colonie. Montrez-moi ça d'abord, les gars. Ouais, bof. On va voir par le panneau de. On va dire non. Waf, j'ai envie de réserver mon premier vaisseau d'exploration pour quelque chose d'un tout petit peu plus loin. Ça, c'est de toute manière dans ma sphère d'influence. Donc, pas touche. Oh putain. Il y a déjà. C'est qui ça? C'est les anciens gardiens. Putain. Il va falloir que je parte vers le nord. Vaisseau d'explos, ça c'en est un. Voilà, c'est bien, on va explorer par là-bas. Ils sont où les autres? Il explore un astéroïde, bordel. Va m'explorer cette étoile, toi. Ah merde, c'était lui. Tant pis. Il est où là? Voilà, non. Cette étoile-là. Ok. C'est un petit peu la course aux échalotes. Il faut qu'on se magne. Bon, là, je suis en x4. Ok. Ça, c'est un vaisseau de construction. Ils vont construire des stations de minage. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est au niveau de nos ressources stratégiques? Ah, c'est pas terrible. La demande. On n'a rien au niveau de l'argon. Bon, on a du stock encore, mais ça va vite s'épuiser. C'est le stock de début de partie. Attends, je vais tout en stratégique. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il y a. Ça, c'est rien, c'est du gaz, quoi. Je sais pas, on peut l'exploiter. Non, même pas.
Voilà, Villa Seiya, c'est quoi ça? Ah, je me pose, c'est intéressant, un système qui a l'air pas mal. Ah, il est en train de l'explorer, bordel. Ah ouais, oui, il y a des trucs. Voilà. Bon, il y a pas mal de gaz. Est-ce qu'il y a quelque chose à coloniser là? Non, que dalle. Voilà. Continental Colonization. Nickel, c'est en route. Alors, ces systèmes-là, il va falloir que je chope. Ou au moins que j'aille envoyer des vaisseaux pour miner dessus. Oui, du Caslon, ça, c'est le carburant de base. Il me le faut. Là aussi, il y en a plusieurs même. Ce que je vais faire, je vais même sélectionner un vaisseau de construction. Ouais, lui, il va déjà dans ce système pour construire. Nickel. Là, il est en train de réparer un vaisseau d'exploration. Vous voyez, tout ce petit monde se gère. Hein. Les vaisseaux de construction réparent aussi les vaisseaux endommagés automatiquement s'ils n'ont rien de mieux à faire. Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est qui est là déjà? Ah, c'est mon vaisseau d'exploration. Nickel. Bon. Bon, au lieu de jouer avec ma molette, je peux aussi faire comme ça. Comme ça. Boum. Zoomer. Alors, Pulmanar. Ah, mais il y a déjà des gens qui sont en train de miner comme des porcs. Ah! Ça, on va aller voir. C'est quoi ça? Ouh, oh, le champion of Kuminur. C'est un capital ship. Alors, ça va me coûter la peau du cul, mais. Mais alors, il a une puissance de combien, ce petit cochon? C'est déjà où qu'on voit ça? Là, je peux le voir ici. Ah ouais! Ah ouais, quasiment 300 de puissance. Alors là, je peux par exemple le prendre et puis l'assigner à ma flotte. Qui a déjà un peu plus de gueule du coup. Merde, ma flotte, elle est là. Voilà, 3 vaisseaux, 343. Bon, c'est de la poudre aux yeux, j'ai juste un capital ship du coup, mais je crois que je vais le garder. Je pourrais le désosser et puis avoir des avantages en technologie, mais j'ai envie de le garder celui-là. Donc, on va dire la flotte de ce refuel, ils vont tous se regrouper normalement. Ils vont à Calestas, je peux faire l'onglet flotte. Donc voilà. Hop, refuel at Sacreia. Alors, ils vont tous aller à Sacreia. Très bien. Qu'est-ce qu'on a comme système là intéressant? Ah, voilà. Ça, c'est une colonie indépendante avec des batraciens. Voilà, ça, je pourrais les attaquer par exemple. Alors, j'ai pas de vaisseau pour transport de troupes maintenant, mais je pourrais leur niquer leur petite race là. Kuminur, qu'est-ce qu'il y a à Kuminur? Non, mais moi je voudrais du Caslon. Ça, c'est sur les planètes volcaniques. Le Caslon. Le Caslon. Attends, je dis de la merde. C'est pas le Caslon. C'est l'Aculon. Voilà. Et ça, normalement, c'est sur les planètes volcaniques qu'on en trouve. Hein. Ce type de métal. Ah, j'ai toujours rien là. Là, il y a des trous noirs, ça c'est bien pour construire des stations de recherche. Steel, steel. Il n'y a rien, il y a du silicone là. Est-ce qu'on a trouvé autre chose par là-bas en bas? Oh, je suis vraiment tombé dans une zone pourrie de la galaxie. Hein. Allez, on va dire que ça fera un peu plus de challenge. Oui, moi j'investis tout là. Ouais, et ça m'a fait du fric. Vous voyez que mon fric là, je suis toujours en négatif, mais avec tous les bonus que je chope, ça me permet de me maintenir. De plus en plus loin. Non, il n'y a pas. Ah, non, ça c'est de l'acier, ça y ressemble. Toute manière, y a mon. Je pourrais aussi. Ouais, non, j'ai pas envie de. Ah, c'est une guilde mercantile. Peut-être qu'ils pourraient commercer avec moi. Ah, je sais pas. On va les laisser dans leur coin pour l'instant. Si on regarde, ouais, conditions de victoire, on est toujours un petit peu devant. Bah. Et voilà, eux, ils sont passés du pré-warp au normal, on va dire. Enfin, comment dire, au saut hyperespace. Donc, on est collé vraiment comme. Vous voyez ce que je veux dire? Fait chier sa mère. Fait, alors. Puis là. Non, maintenant, là, il n'y a pas ce que je veux pour l'instant. De toute manière, je m'inquiète pas. Mes vaisseaux continuent à. Voilà. Mes vaisseaux continuent à explorer. La petite
Planète volcanique attendue. Et là, je vais pas me faire chier. Voilà. Lui, en plus, il fout rien. Donc, c'est pas bien. Il va aller. Déjà, je vais l'automatiser. Et puis, je vais lui dire d'aller tout de suite. Voilà. Alors, ça bouge dans tous les sens. On prend. Ah, merde, c'était une embuscade pirate. Bon, comme on est au début, je vais les payer un peu. Ouais, je pèse ma petite culotte, comme ça ils me feront pas chier. C'est du racket, je sais. Au revoir. Donc, on était en train de dire que là, on a trouvé notre aculon. D'ailleurs, je sais pas si j'ai bien envoyé la mission. Alors, déjà, je vais mettre Exploration Ship. Ils étaient même pas automatisés, pourtant j'avais mis l'option pour que tous les nouveaux vaisseaux soient automatisés. Fail. Ma flotte refuel. Ok, tout le monde bosse. Là c'est Drytus. Ah, il y a mon leader qui a été remplacé. Ça je m'en occupe pas, c'est l'IA qui gère. Mais on pourrait aussi faire du micromanagement avec. Ah merde, je suis allé à ma capitale, très bien. Mon joli capital ship qui est là. Mais tout ça me dit pas. Vous voyez, il y a tout qui est en train de se diriger vers le nord. Oh là là, ça, Villa Seiya, ça va être ma station de refuel intermédiaire là. Parfait, j'ai pu construire une station avec du Caslon. Normalement ici. Voilà, ah, en plus ça, 94%, c'est bourré de. Ah ouais, là, ça va être stratégique, il va falloir défendre ici. Hein. Je vais me développer vers le nord, là, ça paraît évident. On va voir ce que je rencontre. Ah merde, où c'est qu'il y avait notre Caslon? Ah! Oui? Oui, toi qui regardes la vidéo, tu dis, mais là, c'est là, connard! Mais ouais, mais je m'en souviens plus. Oh putain, là, il y a plein de ressources rares. Et il y a le Caslon. Varunat, voilà, il va falloir se souvenir de Varunat. Ah mais non, c'est une autre! C'est une autre source de Caslon. Oh, il y en a à chier ici. Allez, hop, faut construire là. Hop là, c'est parti. Puis au niveau des planètes colonisables, voilà, ça vient, ça vient, ça vient. Alors, moi je les classe par qualité. Et puis ensuite, suivant, elles se trouvent. Donc là, vous voyez. Que sur la carte, il y a celle-ci à 84% qui contient comme ressource du chromium, c'est pas dégueulasse non plus. Puis elle est pile dans la zone où je veux aller. Alors je vais aller go to Potential Colony. Donc c'est une jolie petite planète continentale qui a en fait une lune d'une géante gazeuse avec plein d'hydrogène, d'hélium, pardon. Elle se trouve Sastea. Ouais. Villa Seiya, ouais, ça c'est pile poil dans la zone où je veux aller. Donc, les gars, on va dire. Donc, c'est voilà, une lune continentale. Moi, j'aime bien ce jeu, quoi, c'est vraiment spatial. Donc, c'est bien elle. Soames. Tu as tué le nom de merde. Alors, va falloir changer ça plus tard. On va construire un vaisseau colonie, voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre dans le coin? Ouais. Alors je vais éviter d'aller dans cette zone, puis on va en mettre une deuxième à côté. Raétal 3, qui sera, voilà, Sastea, Raétal, Villa Seiya, ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Donc, boum, on va envoyer là-bas. On verra si c'est des bons choix. Bah écoutez, ça fait, je parle, je m'emballe, j'adore ce jeu, j'espère que j'arrive à vous faire partager un petit peu de mon intérêt pour ce type de jeu 4X spatiaux. Je vais partir en vacances dès demain, donc pas d'activité pendant une bonne grosse semaine. Bah amusez-vous bien d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, journée, tout ça. C'était DRK36 sur Distant World Universe, à très bientôt, ciao!